We have around 8 to 12 operations a day. Most of these wounds are caused by the gunshot or bomb, and they are dirty wounds. If they come late, the wound will get dirty, and then we have difficulty. And of course, because they are the injury are caused by the bomb or the gunshot, so sometimes we see very bad fractures. Most of the time, we can finish by time 1 or 2 o'clock, and because we have one or two major cases, like we do the external fixation for the fractured bones, which sometimes will take 1 or 2 hours. Yeah. This case, gunshot, this is the exit of the gunshot, and this is the inlet of gunshot. Treated by surgical toilet and external fixator. C'est avec le souffle des explosions. C'est un film, en fait ça empêche que ta glace elle éclate en plein de petits morceaux et qu'elle blesse tout le monde. Le mois dernier, il y a eu un bombardement tout près et il y a 5 vitres qui ont éclaté à plein d'endroits différents. Du coup, si t'as quelqu'un en face, en fait, avec les éclats de verre, hein, tu peux être blessé, quoi. I think the MSF alone work now. In this moment, the MSF, I just... Allah. It's alone. Demander aux gens de rentrer et puis d'essayer de les placer entre quatre murs, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Puis attendre. Mais bon, pour l'instant, ça tire d'ici, il n'y a pas d'échange vraiment, quoi. C'est que, après, il peut y avoir l'avion qui passe. Donc là, si tu as l'avion qui passe, ça peut être un peu plus violent. Parce que là, on descendra. Déjà, on mettra les patients dans les couloirs, peut-être, ceux qui sont des fenêtres de ce côté-là, là où potentiellement tu as des balles perdues qui arrivent. Et puis, si l'idée, c'est que si vraiment ça va pas, on descendra et on attendra, quoi.